Yeah. Haha. Technique de fond vert. J'utilise mon PC hein, pour. J'ai mis une vidéo en boucle pour le fond vert. Hein. C'est pas compliqué. Et ça permet de faire des trucs assez intéressants comme faire tourner comme ça. Ceci. Ouais, vous voyez en dessous le truc MP4 que. Ça, je peux rien y faire parce que en fait la vidéo tourne en boucle. C'est tout simplement ça, je vais vous montrer. Hein. Montrer ça rapidement. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait cet effet-là? Ben, en fait, c'est ça, en fait. C'est simple. C'est un fond vert. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que c'est le mystère. C'est un fond vert qui est en boucle. En fait, vous faisiez de base un fond vert. Vous faisiez d'abord un fond vert comme ça, normal. Que, donc, ça, c'est un pen sur pen, tout ce que vous voulez. Vous mettez un truc, vous coloriez tout, un fond comme ça, c'est avec le machin là. Et après, bah, tout simplement, vous prenez un logiciel de montage pour faire une simple vidéo de 1 minute, même pas, même moins, hein, si vous voulez. Mais c'est mieux quand même que ça dure au moins maximum 1 minute. Ce qui est cette vidéo-là, comme vous voyez. Vous appuyez dessus, ça va mettre en plein écran, avec le fond vert qui est marqué. Vous vérifiez bien que c'est en boucle ici, donc en dessous, le truc en dessous, là, vous savez, le machin en dessous, je vais vous montrer. Voilà, vous vérifiez bien que ça ici, c'est bien mis en boucle. Ouh là, la caméra qui pète des câbles. Enfin, en bref, voilà, vous avez compris le principe. Et hop là, et du coup, c'est pas plus compliqué. Et du coup, après, vous pouvez vous amuser à faire des trucs sympas avec la vidéo. Et oui, bon, après. Il y a un autre petit souci, c'est que je n'ai pas une grande place. Hein. Ça, c'est un des petits soucis. C'est un des problèmes majeurs de cette chose-là, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal. Après, on peut s'amuser à faire ça, mais je pense que ça sert un peu à rien. Voilà, on n'est pas obligé de le faire tenir hyper longtemps, hein, c'est pas obligatoire. Et vous amusez à faire des trucs comme ça, tout simplement. C'est vraiment pour le fun, quoi. En bref, vous pouvez faire aussi. Yeah! Oui, ce genre de conneries. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Après, ça peut être marrant quand même si vous trouvez, je sais pas, par exemple, vous voulez montrer un stylo. Oh, regardez mon joli stylo. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, waouh, c'est incroyable. Regardez ce stylo magnifique sur un fond vert. C'est incroyable. C'est magnifique. Ouais, après, avec le truc en arrière-plan, c'est chiant. C'est magnifique, c'est incroyable. Je suis impressionné. Après, il y a peut-être moyen d'un peu cacher le truc, non? Hop, peut-être que là on le verra plus. Je suis impressionné. Oh, je dessine. Je dessine. Ouais, c'est drôle, c'est. Genre. Voilà, ou genre. Mais là, c'est le fond d'écran du pauvre. Voilà, donc là, vous avez une peluche. Waf waf. Pa, 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 pa. Hop.
Salut. Du, du, du. Du, du, du. Ouf. Ouh. 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 C'est sympa, vous vous amusez à faire genre un truc comme ça. Après c'est pas facile parce que je suis je dois faire attention de pas bousculer ma caméra justement. J'ai aussi ce truc là. Voilà, comme ça on voit en 3D. Oh, je suis une statuette qui sert à rien. Oh, oh yeah, oh yeah. Je sers à rien. Je vous invite à vraiment tester, ça peut être rigolo à faire. Regardez par exemple ça. Oh là 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 là. Bon après voilà, l'imitation, c'est ça le problème. Je sais pas moi, je sais pas, un truc comme ça. Vous voyez, c'est un peu... bon là, vous voyez, ça pourrait être une sorte de cache, une sorte de décoration par exemple. Hop, comme ça. Par exemple. Alors on peut essayer le truc qui va tuer tout. Une fourchette. Enfin, c'est pas une fourchette. Là, on atteint la limite. Je peux pas aller plus loin. Voilà. C'est une cuillère. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Voilà. Vous avez une cuillère en fond d'écran. C'est rigolo, c'est très bien. C'est fun. Ça sert à rien. Mais c'est fun. Je sais pas moi, vous faisiez... Vous faisiez... Vous voyez, enfin tout ce genre de choses quoi. J'essaie de trouver des petits trucs parce que ça va être un machin qui va m'être utile. Voilà. C'est des commandes. Je sais pas moi. Ça peut être utile, hein, il faut pas le croire, ça peut vraiment aider des gens, je pense. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver des idées. Par exemple, si pour le coup de la télécommande, je vous montre, et hop, vous mettez, le pouce qui appuie sur le bouton, vous voyez, je vous montre, hop. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. La télécommande qui ne marche pas. Ça a rien. Voilà. Vous allez dire, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, une ampoule. Pourquoi pas? Je sais pas moi. Genre. Vous voyez, genre, le mec, il a une idée. Hop, il apparaît. Et il une idée apparaît peut-être temporairement. Et elle se casse. Et elle se casse. Bon, après, s'il y a une mise au point, pas un truc dans le genre. Hein. Ouais, voilà. Après, je peux faire plus simple. Je fais genre idée. Et revient. Idée. Et voilà. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe de l'idée du truc. C'est. Et ce qui va se passer là, c'est que je vais reprendre ma cam. La vérité va se mettre en face. Ben oui, vous le savez déjà de toute façon. Ben oui. Qu'est-ce qui se passait? Parce que en fait c'était juste mon micro, j'allais dire.
Bah oui. Tout simplement, c'était ça qui faisait que. Maintenant, je vais réduire de retour la luminosité parce qu'elle m'éclate les yeux. Hop. Voilà, luminosité réduite. Eh ben oui, c'est ça la technique. Et ce qu'on va faire autre, c'est tout simplement quitter et quitter le truc et fermer. Et voilà. Sympa, hein, non? C'est une idée sympa, n'empêche, quand on y pense. J'ai trouvé cette idée comme ça, j'ai trouvé ça sympa à partager pour vous et pour ceux qui voudraient avoir une idée, je sais pas, faire un petit des petits trucs comme ça, et c'est fun à faire, donc n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté. Après vous allez me dire, ouais mais t'as, de toute façon ici t'as un fond d'écran vert, mais le problème c'est que bah, on peut tester quelque chose éventuellement avec mon autre peluche. Je reviens. On va tester quelque chose avant de partir vraiment et de terminer la vidéo. Ce sera la dernière chose qu'on va tester. Putain de merde. Hop. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Ben oui, parce que j'ai un fond vert là. Enfin, c'est pas un fond, c'est la chambre. Hein. C'est le papier peint de la chambre. Enfin, c'est même pas du papier peint, c'est le mur peint, ça. C'est même pas du papier peint. Ben, je peux faire de retour le coup de ça, en fait. Mais le truc, c'est que c'est peut-être trop gros. Ah, mais ça. Voilà. Ce serait plutôt ça, tout. Mais le problème c'est que c'est trop lumineux, vous voyez le problème, donc ça sera pas faisable. Mais voilà, ça aurait été marrant de vraiment pouvoir le faire quoi. Ah. Oula. Ça aurait été vraiment de pouvoir utiliser mes peluches pour les mettre ici. Parce que j'ai le matériel, j'ai le truc, mais le problème c'est qu'il me faut une lumière fixe. Après on peut tenter autrement, mais. Ça ira pour cette fois, j'en ferai une autre en test. Mais voilà, en tout cas, c'était fun à faire. Je vous dis à bientôt, c'était Desnat et portez-vous bien surtout. Je me suis gouré de boutons.